Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi iniziamo la serie delle espressioni idiomatiche italiane e oggi scopriremo la prima. Oggi on commence la serie delle espressioni idiomatiche italiane e in questa video on va scoprire la prima. La prima espressione idiomatica di oggi è acqua in bocca. Cette expression est utilisée pour pousser quelqu'un à ne pas communiquer des informations, c'est-à-dire à garder un secret. Littéralement, cela veut dire eau dans la bouche. Avoir de l'eau dans la bouche empêche de parler. De là, l'association avec aqua in boca l'équivalent français est motus et bouche cousue pas un mot et vous pouvez laisser des commentaires avec vos conseils et vos propositions euh, qu'est-ce que vous utilisez pour exprimer aqua in boca » en français cela me ferait plaisir de le lire mais non je vous montre un, un exemple de l'utilisation de cette expression italienne dans un contexte informel entre deux personnes Sto organizzando una festa a sorpresa per Sofia. Mi raccomando, acqua in bocca! È una sorpresa. Tranquilla, non dirò nulla a nessuno. Sarò muta come un pesce. Bon, voilà. E... La personne est en train d'organiser une fête, une fête surprise pour une amie. Et donc, elle, elle dit à son amie, n'oublie pas. bouche C'est une surprise. Donc, elle veut que son amie garde le secret. L'ami répond, sois tranquille. Je ne dirai rien à personne. Ça remonte comme un péché. C'est la réponse qu'on emploie souvent pour répondre à à quoi bocca ?» On a un peu dans cette expression l'équivalent en français est être nué comme une carpe. En italien, on utilise euh, poisson pêché. Et voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video et spero che que questa lezione vi sia piaciuta. Ciao a tutti e grazie!